c'était pas ma dimanche, je ne vais pas venir ces deux jours. Bien sûr, depuis cela, je pense que la chambre se trouve dans l'ensemble des comités de pilotage. Donc nous sommes très attentifs, mais nous sommes aussi acteurs techniques, la réalité, sur deux actions d'ailleurs, sur les agrumes concernant l'espèce green et sur aussi l'INIAM. Donc nos attentes sur l'EGLITA, eh bien, ils sont divers. D'abord, le rôle d'institution que nous sommes, c'est lié à la cohérence et à la cohésion pour permettre qu'il y ait, en tout cas, que l'agriculteur soit plus aisé dans l'exercice de son métier d'agriculteur, puisque l'objectif étant toujours pour nous d'améliorer le revenu de l'agriculture dans un cadre, je dirais, performant, en assurant la triple performance, puisque la voiture, vous savez, c'est inscrit dans la fac, dans la performance d'un petit agriculture familiale. D'ailleurs, nous avons fait le séminaire avec l'INRA Transac, récemment, pour définir les contours de ce petit agriculture familiale, dès la mise en place de l'avenir, nous sommes positionnés concernant les groupements d'intérêt économique, permettant cette triple performance qui est à la fois sociale, économique et environnementale. Donc, l'EGLITA rentre tout à fait dans le cadre de notre politique. Ce que nous a apporté l'EGLITA en premier temps, sortir de la confusion, donc la formalisation des actions partenariales. Maintenant, on a pu plus préciser qui fait quoi, donc une meilleure organisation générale. Toujours dans ce cadre-là, nous attendons maintenant que dans le GITA 2, mais justement, la formalisation des actions menées dans le cadre du GITA 1, c'est-à-dire concernant l'INIAM, là où nous avons des réseaux chez les agriculteurs, la mise en essai de semences, donc pour justement permettre ce transfert, puisque la Chambre a cet atout quand même de formation de nos agents qui ont justement, je l'entends tout à l'heure, la pédagogie, la manière de transmettre, c'est bien ça aussi notre métier. Donc nous pensons pouvoir le faire dans les conditions les plus optimales, donc pour permettre toujours, dans l'objectif, que ces agriculteurs puissent parfaire leur métier. Donc l'innovation pour nous, c'est tout cela. Et la Chambre d'agriculture s'inscrit pour trois années, je crois. Donc, nous avons une forte mobilisation. Nous y croyons fortement. Et bien sûr, nous disons que dans le cadre de ces GITA 2, nous serons, en tant qu'institution, nous veillerons à la cohésion de ce groupe, puisque nous sommes dans l'ensemble des commissions de pilotage de la CPR. Donc, voilà un petit peu ce que vous dit globalement sur ces GITA. Que nous voyons, je dois le dire personnellement, de meilleur œil que hier. Merci, Président. Donc, on va donc dans le bon sens et votre participation.